Mon cher ami, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a 2 semaines, je t'avais fait une vidéo expliquant que voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais des vidéos exclusivement sur les cartes Pokémon et que j'ai bien envie, eh bien, de te faire également découvrir Tokyo, que ce soit de jour comme de nuit. Alors, on ira explorer des monuments, des parcs, on ira voir des coins touristiques, pourquoi pas peut-être des restaurants, des cafés à thème, etc. Puis également te montrer le Tokyo de nuit et ça va commencer maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre et donc c'est Halloween. Je sais que c'est complètement différent et qu'en France ça n'a pas autant d'importance, mais Halloween au Japon, c'est toujours bien le bordel la nuit. Tout le monde sort, tout le monde se déguise, les étrangers, les japonais, tout le monde se balade dans les clubs, dans les bars, à tel point qu'il y a une présence policière dans les rues qui est inhabituelle. J'ai prévu du coup avec mon ami Michel, eh bien on va se faire toute la nuit jusqu'à demain matin. Vu que c'est la première vidéo, un petit peu de contexte rapidement, mais comme tu le sais, j'ai travaillé dans le monde de la nuit à Tokyo pendant plusieurs années, et Michel également. Michel étant espagnol, il ne parle pas français. Quand on est tous les deux, on parle soit en anglais, soit en japonais. Souvent, en fait, je te cache pas qu'on fait un peu un mix des deux. Dans l'idée, pour te résumer ce qu'on a prévu, on se donne rendez-vous à 22h à Shibuya. Je vais à ce moment-là te filmer un petit peu les rues de Shibuya, les gens qui sont en cosplay, etc. Ensuite, on va aller dans une boîte de nuit dans laquelle on a travaillé tous les deux, qui est à Shibuya. On va dire bonjour à tout le monde, boire un petit coup, voir les managers, le staff, les go-go danseuses, le DJ, la sécurité. Voilà, pour dire bonjour. Et ensuite, on ira sur une autre zone qui s'appelle Kabukicho. Kabukicho qui est, on va pas se mentir, l'un des endroits étant réputé les plus dangereux de Tokyo. En réalité, c'est pas vraiment dangereux, c'est juste qu'il faut connaître, il faut pas rentrer dans tous les bars ou les clubs qu'on te propose dans la rue. Parce qu'il y a de temps en temps des soucis de gens qui se sont fait extorquer de l'argent, etc. Bon, nous, on est plutôt safe parce que ça a été notre boulot pendant longtemps, donc on connaît les clubs dans lesquels il faut aller, dans lesquels il faut pas aller. Pour cette vidéo, je vais t'offrir un booster S6A Eevee Heroes. Voilà, il m'en reste un qui traîne sur le bureau. Donc, je vais te l'offrir dans cette vidéo. Voilà, c'est pas parce qu'on fait des vidéos à l'extérieur qu'on oublie Pokémon. Pour participer, bah, c'est tout simple, je vais faire comme l'ancienne vidéo. Donc, t'as juste à être abonné à la chaîne et à me mettre un petit commentaire sur ce que t'as pensé de la vidéo. Et comme d'habitude, si tu peux liker la vidéo, c'est cool. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours apprécié. Voilà, écoute, il est ici 14h, je vais aller me reposer encore un petit peu, c'est pour ça que je suis un peu dans le gaz là, parce que je me suis complètement décalé afin d'être en forme ce soir, je vais redormir un petit peu, et on se retrouve à 22h à Shibuya. Allez les amis, on est parti, bon là il est 20h45, il n'y a absolument personne, c'est normal, on est dans ma campagne, j'en ai pour une petite heure de train, et puis qui... Tu vas voir que quand on va arriver à Shibuya, ce sera pas du tout la même histoire. Ok, c'est le bordel complet. Je dois essayer de retrouver Michel, mais je peux pas passer puisqu'il y a la police partout qui bloque les rues. Donc je vais couper la caméra et puis je vous retrouve avec lui d'ici quelques minutes. And now we can go straight. それはやばい。それはやばい、バビ。バビ。続いてゆっくりとお進みください。横断歩道を渡り終えた方は、後続の方が渡り切れますよう、立ち止まらずにお進みください。 Let's go right, papi, Bettini, because there is too much people.
Let's try like this. Let's go back, boss. Hiya. Hiya. Genki, genki. Shiburi. Asta, Ibarando. Ah, yes. Yes. So, no, ma. Ma? Do you want to check? Ryo-san, Ryo? Yeah, it's inside. Who? Ryo, Ryo, Ryo-san. Oh. What, well, Jaiku? Yeah, just a little. Just a little. Yes, arigato, baby. すいません。 ありがとうございます。 Okay. Allez, on va au Neverland dans un club où on a travaillé du coup tous les deux. Dire bonjour un petit peu à tout le monde, c'est vraiment pas très loin. Et puis après on ira sur Shinjuku. Ah, c'est pas bien. Je suis trop.
Alors là, juste à gauche, c'est là qu'on va aller. On arrive dans la rue où il y a pas mal de boîtes de nuit. Il y a pas mal de love hotels sur Shibuya. On va dire que c'est le coin un petit peu chaud de Shibuya. Encore une fois, c'est pas dangereux. Mais voilà, c'est le coin un petit peu plus adulte, on va dire. Et voici Neverland. C'est probablement, si c'est pas le premier, c'est le deuxième plus gros club après. Enfin, à Shibuya. Je vais aller dire bonjour à mon ancien collègue, Kyoto Hervé. Oh Hervé, how are you? Je suis là, je suis là. Je fais une petite vidéo, ça t'embête pas? Ça fait longtemps. Tu vas bien? Allez, ça va. Et le gosse, il marche déjà? Ouais, il commence à... Là, bientôt 3 ans, là, 2 ans et demi. Ah ouais. Donc, ouais, il marche, il parle, il court, il est en pleine forme. Ça, toi, ça va, Hervé? Je suis là. Ouais, bah ouais, je vois ça. Toujours là. Ouais. Papi, allez, hashtag arrive. Bezurashi. Yorata. Moi, je suis là... Comme c'est Halloween, là. Mais sinon, tu... Les samedis uniquement. Samedi? Ouais. Oh! Genki? Genki. Genki? Genki d'ailleurs. Good. How are you? Tomorrow? Tomorrow. Oh, salut. Oh, salut. C'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir travaillé ici, parce que là, s'il faut qu'on fasse la queue, je te cache pas, mon ami, qu'on est vraiment pas bien. On rentre dans, probablement une demi-heure, je dirais, tranquillement. Bon, on va pas rester longtemps, le but c'est pas de les embêter. Juste dire bonjour à tout le monde, boire un petit coup. Et puis ensuite, on file sur Shinjuku. Comme ça, on pourra vous montrer un petit peu tout ça. Ok, let's go. Adas. Bonne salle. Wow. Yeah, nothing changed, papi. Yeah, I say. Until we stop, nothing changed. Oh, il y a un de mes meilleurs amis ici. Hello. Si vous voulez. Oh, yes. Good. On a un Allez, on part sur Shinjuku. Bon, là-bas on connaît quand même un petit peu moins, mais ça devrait être quand même assez rigolo. J'ai un ami qui a une qui tient une boîte de nuit sur Shinjuku, là où on va aller. Si jamais il est là, on peut peut-être essayer de passer, dire bonjour, boire un verre. On va voir ça, puis ça me donnera l'occasion de vous montrer le Kabukicho à Shinjuku, parce que c'est quand même quelque chose à voir. Allez, c'est parti. On vient d'arriver à Shinjuku, on rentre dans l'intérieur du Kabukicho. J'ai envoyé un message à un ami français avec qui j'ai travaillé, qui est maintenant manager dans un autre club ici.
On va probablement aller jeter un œil, encore une fois, pour dire bonjour et pour boire un petit coup. D'abord, je vais vous faire une petite vidéo de l'extérieur de ici, parce que le Kabukicho, c'est quand même quelque chose. Yeah, here is not like more dangerous, but you feel something, eh? Yeah, I like a strange ambience. Like, yeah, strange ambience. Yeah, exactly. Like this one is like a cabacola? Yeah. Or a hostess club, I don't know. So my friend's club is not far from here, but I don't remember. Let me check. Before was here, but they changed place. Before was this building, the club. Yeah. But now they changed. What is the name? The club. The Kaba. I'm married. Ah, wait, papi. Yeah, actually, yes. Really? No, here, no. Oh. Ah, here, Decaba, super. B1. You see? Here. The Kaba. Sorry, I'm... Papi, just here. The Kaba. Okay. C'est quoi? C'était pour attaquer tout à l'heure. Ah oui? Personne n'a payé un verre pendant 5 heures. Et là, c'est mon 4e verre. Et là, c'est mon 5e verre. Halloween! Michelin! Is a man.
va maintenant très rapidement bouger et puis on va aller au Zero Tokyo. Allez, on vient de sortir, on va à Zero Tokyo. Je pense qu'on devrait pouvoir rentrer sans trop de difficultés. Ah bah c'est ici, c'est la première fois que je viens. Vodka orange. Tchin tchin. Merci. Ah bah tiens, merci. Bon, on va checker mon poulet. Ok. Merci en tout cas pour l'entrée, Roger. Hein ? I was born to be free.